Et bien salut à toutes et à tous, l'aime compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Mieux que ce petit vilain qui a tué devant nous un animal en ce début d'épisode, c'est incroyable en tout cas. Les copains, très contents de vous retrouver pour ce 16e déjà, 16e ou 17e épisode de Sons of the Forest, de Far Cry 4, pardon. Oh là là, ça y est, ça commence à se faire ressentir que je tourne les épisodes à la suite là, non? Ouais, 16e ou 17e, alors quelque chose qui est assez incroyable, j'ai regardé quelque chose qui devrait vous ravir, je l'espère. D'ailleurs, merci beaucoup hein, pour vos commentaires, vous savez, je plaisante beaucoup en disant que c'est une série à succès, évidemment, mais je plaisante beaucoup, mais ça me fait trop plaisir de voir vos commentaires, vraiment, merci infiniment. Voilà, merci infiniment, parce que ça régale. Et justement, je pense que ça va vous régaler ce que je vais vous dire, puisque nous sommes à 25% du jeu. Voilà. Donc c'est pas demain la veille que le jeu va être terminé. Voilà. Et t'es vraiment une chienne toi. C'est pas cool. Attends, et t'as vu ce qu'il a fait quand même? Il l'a pris par derrière et tout. Bon attends, si déjà je vais quand même lui piquer ce qu'il avait sur lui. Sac à butin presque plein, tu te fous de ma gueule? Je viens de vendre juste avant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne sais pas. En tout cas, on a encore de belles heures devant nous. Clairement, je pensais pas qu'on en aurait autant, pour être très honnête avec vous. Alors bien sûr, je pensais pas non plus qu'on soit forcément à la moitié du jeu, mais je m'attendais quand même à ce qu'on soit pas loin. Et en fait, on est à peine au premier quart du jeu, et ça me fascine. Bon bref, donc vous l'aurez compris pour cet épisode, comme convenu dans le dernier épisode d'ailleurs qui était assez incroyable, malgré tout, nous allons retrouver de nouveau le Sentier d'Or pour un petit peu discuter. Je sais pas ce qui va se passer, mais on va faire une mission pour le Sentier d'Or. Aucune idée de ce qui m'attend, genre vraiment. Mais on va voir. Est-ce qu'on va matraquer la gueule à celui qu'on a enlevé, Paul? Paul de pleure, est-ce qu'il pleure? Voilà, donc là vous avez vu, je viens de prendre des dégâts. Voilà. Il est vraiment bien fait ce jeu hein. M'en fous, je me soigne pas. Je m'en fous, je vais pas user une seringue à cause de ce bug. Non, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Allez, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu. Comme d'habitude, comment on fait pour rentrer? Eh bien, par ici, par la porte, hein, c'est toujours plus sympa. Et ça se passe en haut, donc on va monter les escaliers. Le like, le commentaire, l'abonnement, la cloche, très important. Je vous fais plein de bisous, les amis. Bon visionnage. Amita, est-ce que ça va? Tu crois que c'est facile? Je suis la première femme dans le Sentier d'Or. Celle qui veut le changement, alors que tous les autres parlent dans mon dos en prétendant qu'on détruit leur héritage. Je suis une guerrière, une Kirati, tout comme eux, mais eux, ils voient juste une femme. Tu es quelqu'un d'intelligent, AJ. Dis-moi, est-ce que j'ai la carrure pour ça? Sabal, il a tous ses partisans, et moi je me demande juste, ils sont aveugles? Ou bien, c'est moi. C'est moi qui comprends rien. Non, le doute, c'est pour les génias. Enfin bref. Tu te souviens de la plantation de thé? Le pavot, on l'a expédié à une vieille usine en briques où il sera traité. Sabal veut la détruire. Il est tellement sûr de lui. Mais tu préfères t'en emparer? Exactement. C'est tout ce qu'il nous faut pour construire notre avenir, pendant qu'il reste dans le passé. Quand je dis oui, il dit non. Mais j'espère que toi, tu sauras faire le bon choix. Attends, quoi? On a encore un choix à faire, là? Non mais attendez, on vient à peine de... Bon, j'ai compris, déjà la seringue, on va se la mettre, là. Oh. Mais... Dis-moi tout, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai pas compris, là, ça parle de thé. Ça parle de thé. C'est bien le thé. Je m'en occupe. J'espérais que tu dirais ça. Je veux que tu t'empares de l'usine de Noor, mais sans la détruire. Elle pourra nous servir plus tard. AJ, sois prudent. Elle est très bien protégée. Mais attends, quoi? Mais Noor, elle est gentille. Mais attendez, il y a un truc que je comprends pas, là. Attendez. Amita veut que vous vous empariez de l'usine en briques et que vous la protégiez pour traiter l'opium. Ah, voilà. Non, moi je croyais qu'en gros c'était une usine de thé, moi. Mais en fait c'est pareil, c'est de la drogue. Eh ben on va détruire. Attends, mais Amita, tu crois quand même pas que je vais retourner ma veste? La drogue, c'est mal. Je l'ai dit dans l'avant-dernier épisode.
Dis-moi sa balle. Bon, même si on sait ce que tu vas me dire, mais enfin. Sa balle. Amita m'a parlé de l'usine de briques. Et je parie qu'elle t'a pleuré sur l'épaule. Est-ce qu'elle t'a raconté la triste histoire de la première femme du Sentier d'Or? Elle a essayé avec moi. Mais tu n'as pas marché, pas vrai, mon frère. Cette héroïne est un poison. C'est aussi simple que ça. Tue les hommes de Nour et détruis son usine. Fin de l'histoire. Aïe, aïe, aïe. Là, j'ai du mal. Sabal veut que vous détruisiez l'usine en briques Rochamp pour empêcher que l'opium y soit testé. J'adore, je tourne sur moi-même, c'est incroyable, je ne peux rien faire. Merde, incroyable. Attendez, tournez dans le vide. Et qu'est-ce qu'on fait, les copains? Moi, je veux détruire de toute façon l'opium. Moi, ce que je comprends pas, c'est que Nour, alors Nour, c'est celle qui nous a envoyé dans l'arène, mais on veut la sauver, Nour. Est-ce qu'on tue les hommes de Nour? En plus, ils ont les nichons à l'air. Oh, allez, on accepte sa balle. Je suis désolé, Amita. Hein. D'ailleurs, attends, tu vas me dire quelque chose? Imagine, là, elle me dit va te faire enculer. Voilà, à genoux. Je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Ok, bon, allez, les amis. Je m'attendais vraiment pas à ça. Serre-toi de ces explosifs dans le labo. Pas de problème, chimie élémentaire. Allez, let's go. On va aller au point de rendez-vous. Le point de rendez-vous, il est où? Rendez-vous, lieu inconnu. Parfait, comme ça on va pouvoir se rapprocher des nouvelles zones en plus par la suite. Magnifique. Rendez-vous. C'est une blague? Non mais là, y'a rien qui va dans cet épisode. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer après. Mais ça va pas à la tête. Mais j'aimerais bien. Ouais, bon, d'accord. Wingsuit. Wouhouhou. Eh, ce début d'épisode, il est quand même masterclass, hein. Eh, ta. En ça. Et masterclass, hein. Oh là là. Eh, y va, hein. Wesh wesh, hein. Bon, regardez, des requins. Incroyable. Bon, bah, je pourrais pas aller jusque là-bas, malheureusement. On va devoir déployer le parachute, hein. Et espérer trouver un petit bateau. Ce serait assez chouette. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis excité. Je sais pas ce qui se passe. Et je ne sais surtout pas ce qui va se passer. Mais je suis excité. Et alors, moi, ce qui me fascine dans tout ça... J'aurais bien aimé votre bateau, mais enfin bon. Moi, ce qui m'excite dans tout ça, c'est vraiment que j'ai absolument aucun souvenir de tout ça, quoi. Parce que, bon, je vous l'ai dit, hein, c'est pas un secret. J'ai déjà joué à Far Cry 4 sur la PS3 à l'époque. Et vraiment, j'ai absolument pas souvenir de tout ça. Bon, allez, on va se faire bouffer le cul par les crocodiles. Mais c'est pas grave, hein. Dans crocodile, il y a Dyle. Dyle qui ressemble à die, qui veut dire mourir. Mais il y a aussi Dalai Lama. Et Dalai Lama, il embrasse les enfants. Allez, pardon, excusez-moi, je suis en roue libre. J'ai dit, hein. Je suis excité. Alors, c'est ça ce qui est fascinant. Moi, ça me fait kiffer. C'est vraiment... Bon, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu aussi, hein. Ça fait depuis 2015, 2014. Mais... Il va se calmer, lui. Gros tas de graisse. Un aigre, quoi? À l'aide, s'il vous plaît. Mais on ne crie pas à l'aide quand on n'en a pas besoin. Oui. Et donc je disais, bah c'est fou que je me souvienne pas de tout ça, quoi. Et c'est cool. Comme dit le vieux, ça fait le jeu, ça fait longtemps, c'est pour ça. Mais bon, il y a des jeux aussi que si je recommençais à jouer, genre bah The Forest ou quoi, bah moi je me souviens encore des histoires et tout, donc aucun intérêt. Si je refais le mode histoire, par exemple, je sais pas, moi, de Call of Duty Modern Warfare ou de... Tu vois, c'est pas pareil. Mais là, Far Cry 4, je kiffe refaire le let's play. C'est comme Far Cry 3, pour être très honnête, hein. Voilà. Alors, qu'avons-nous là? Attendez, je vais passer par ici. J'en profite pour enlever cette petite affiche, là. Voilà. Madame, ça dégage. Et maintenant que je suis au point de rendez-vous. Hey, Jay, Sabal m'a dit de t'attendre. On a tous les explosifs que tu veux. Prends ce qu'il te faut. Sur la colline. On ne boit pas. On reste sobre. Ok. Il faut que je rappelle qu'à tout moment, je peux appeler des mercenaires.
Ah, les mercenaires ne sont pas disponibles pendant les missions, mais va te faire foutre. Ah ouais, je suis vraiment seul contre tout le monde, quoi. Bon, j'ai récupéré mes explosifs, c'est bon? Allez, d'accord. Bon, j'en avais déjà sur moi, en fait. Hein. En fait. Bon, allez, parlez au chef des rebelles. Eh ben, ils me font courir quand même, hein, les salopards, hein, aujourd'hui. Hein. Ah, aujourd'hui, ils me font courir. Hein. Salut, mon ref. C'est toi, le Havildar? Havildar, sergent. Comme tu veux. C'est un honneur, fils de Moal. Tu vois cette cheminée? Coupe les câbles de soutien pour la faire tomber. Ça devrait laisser un gros trou pour que tu puisses entrer. Je fais comment? C'est justement la question. Hé, hey, AJ, j'ai trouvé un autre centre de propagande. Vas-y, détruis-le. Fais ton truc. Faut que ça fasse boum. On connaît tes habitudes, pas vrai? T'as les coordonnées. Y'a rien qui va. Y'a rien qui va. C'est vrai, tu passes tes journées à courir. Tu dois sûrement pas mal transpirer. Tu portes. Non mais, hé, hey, il m'a lancé je sais pas combien de dialogues, frère. Disons 2-3 jours. Vu ce que tu fais, j'imagine que t'as l'intérieur des cuisses qui frottent. Tu dois avoir le trou de balle qui te démange à mort. Avoir le cul bien propre quand on se bat contre les méchants, c'est super important. Je serais pas encore en train de m'éloigner du sujet, moi. Oh, je suis désolé, mec. Je tiens vraiment à toi, tu sais. Et quand je dis ça, je pense pas qu'à ton cul, mais à l'ensemble de la tuyauterie, de la bouche au fion. Faut faire gaffe à ce qu'on bouffe et à l'eau qu'on utilise pour se laver le cul. L'hygiène, c'est fondamental, mon frère. C'est essentiel. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Bon, fais pas attention. Bonne chance pour le centre de propagande. Merci, mais je crois que je me suis déjà fait cramer. Hein. J'ai voulu casser l'alarme. Et j'ai l'impression que j'ai failli me faire cramer, mais je sais pas d'où. Bon, déjà, lui, il va voir que l'alarme est coupée. Voilà. Voilà, comme ça tout le monde est en alerte, c'est parfait. Parfait. Oh merde. Oh c'est insupportable. Oh c'est insupportable. Bon je sais pas du tout comment je vais m'en sortir. Ça sent l'échec de mission dès le début. Mais c'est pas grave. Il faut moi j'aimerais juste casser toutes les alarmes. Comme ça je suis tranquille. Ah. Mais du coup ils savent où je suis. Mais ils savent où je suis les salauds. Usine de briques. Ok. Les alarmes sont désactivées, c'est déjà pas mal. Où est le mec là qui me tire des trucs sur la gueule là? En vrai. Parce que là je vais lui défoncer sa race. Ah oui, on a une nouvelle arme, c'est vrai, c'est bon ça. Allez go. Envoie-moi ton mortier sur ta propre base, tu vas voir. Ah non, il reste une alarme encore. Il reste une alarme. Je m'en occupe. Voilà. Alarme toute désactivée. Comme ça, on est tranquille. What? Bon, messieurs, dames. Tout à fait. Mais il n'y aura pas de renfort normalement. Merde. Oh, un éléphant. Un éléphant, roi. Bon, il faut que je coupe les câbles. Alors, on va m'expliquer comment on fait. Peut-être en faisant ça. Ah. Ah. C'est gênant. Ah. 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 Ah, ça marche bien. Ah, ça marche vraiment bien. Ok, j'ai compris. Grenade. Dis-moi que ça marche. Non, là, on se fout de ma gueule. Roi, se trompe parfois. Eh, dis-moi que ça marche, ça. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Faut envoyer du feu. Bon, moi, je vais laisser s'occuper de leur éléphant, là. Rien à péter, moi, de leur éléphant. Hop. Voilà. Le deuxième câble devrait céder. Hein? Mais ça marche pas? Non, on se fout de moi. Oh là. Oh. Oh my god. Pourquoi ça marche pas? Non mais là, on se fout de moi. On se fout de moi.
Voilà. Ok. Ah oui, la cheminée, elle va se casser la tête, là, c'est bon. 1, 2, 3. Ah, une grenade bien placée, ça fait l'affaire, en fait. Allez. Voilà, je parle pas trop, hein, je me concentre. Bon, j'ai compris. J'ai compris. Un plaisir. Un plaisir. Voilà. Y a un petit chien là. Le petit chien, y a plus de petit chien. Allez, c'est du spectacle. Hop. Et là normalement. C'est le dernier câble. C'est bon, la cheminée est fragilisée. Là je peux détruire la cheminée. Alors, comment? Ah ha! Regardez bien. Oh, c'est beau. Et voilà le travail. Ça y est. Maintenant, entre et fais tout sauter. On reste dehors pour flinguer tous ces connards. Poser des explosifs. Pas de problème, je vais poser des explosifs. Salut. Ah merde. Hop. Et de 1. Oh, ça va être épique. Oh là. Oh là. Oh là. Et de 2. Non, jamais. Jamais. Et de 3. Quittez le laboratoire. Oh, salut les copains. Venez, on se barre. Ah, mais il y a des collègues en plus. Faites exploser. Vous êtes prêts les amis, c'est du spectacle. 3, 2, 1. À la bonne again. Magnifique. Eh, c'était la mission la plus simple qu'on ait fait jusqu'à présent, j'en suis content. Ça balle. J'ai détruit l'usine de briques. Bonne nouvelle mon frère. On nous empoisonnait, mais tu as compris la vision de Kira pour son peuple. Nous avons une chance de redevenir purs et unis avec la Terre. Les traditions vont revenir grâce à toi, fils de moine. Ah, c'est cool ça. Un plaisir, un plaisir. Attends, petite libération d'otage, 3, 2, 1. Hop, ça dégage. Ah, je suis un petit peu the American Sniper. American Shooter, you know. Allez, mon ref. Il était moins une. Bon, merci. Du coup, beaucoup de choses qui se passent. On a un nouveau lieu inconnu. Donc là, usine de briques s'est détruite. Habitat, elle va me casser la gueule. Willis. Je ne sais pas c'est qui Willis, mais on va découvrir Willis. On a toujours Yogi et Riggy qui nous attend là-haut. Et puis, on a toujours Longinus qui nous attend également. Donc, trois quêtes principales. On a également des forteresses. Forteresse de Nour. Ah. Forteresse de Yuma, d'accord. Bon, moi, ce qui va m'intéresser, on va un peu chiller, les copains. Hein. Là, regardez, un avant-poste avec deux alarmes. On se fait ça, et puis ensuite, on se fait le clocher. Ça vous va? Ouais, ça vous avait manqué, ça m'avait manqué aussi. On va juste faire en sorte de pas passer devant le Willis, parce que j'ai peur que ça me déclenche une mission. Et je crois qu'on n'a pas le choix de passer devant. J'espère vraiment que ça va pas me déclencher une mission. Eh, je vais passer par là, je m'en bats les steaks. Parce que je vous assure, Far Cry, je commence à connaître quand même. Et je sais que c'est quand même pas mal scripté, hein. Donc ce serait dommage qu'on balance une mission quoi. Ce serait un petit peu dommage. Bon, j'ai pas fait le plein de munitions, c'est un peu débile de ma part. Mais j'ai encore des balles de sniper pour l'avant-poste. Donc ça devrait aller. Ça devrait aller franchement. Allez. On explore un nouvel endroit. Ça m'avait manqué. Monsieur Gale, on vous observe depuis longtemps. Il est temps de se rencontrer. Vous trouverez plus d'instructions en arrivant à ses coordonnées. Voilà, je vous disais qu'on était espionnés. Willis, oh, j'adore quand on connaît pas et qu'on découvre. Regardez, il y a une petite zone là. Donc on va aller voir Willis, on sait pas c'est qui. Alors, il y a rien à faire ici, hein. Mais on va quand même faire. Parce que j'aime bien. J'aime bien. Est-ce que si je saute dessus, c'est stylé ou pas? Voilà. Un plaisir, bien sûr.
Ah non, mais cet épisode c'est un sketch, hein. On sera tous d'accord, hein. On sera tous d'accord. Cet épisode c'est un sketch. Ah, j'étais pas sûr qu'il était mort. J'ai préféré lui mettre une deuxième flèche dans la face. Allez, 3, 2, 1, à la one again. Voilà. Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que t'as, louloute? Attendez, est-ce que j'ai besoin de peau de tigre ou pas? Pas du tout. Enfin, si, panthère nébuleuse, mais ce n'est pas le cas. Et puis, je m'en fous du carquois. Ok, allez. Salut, mon ref. Eh bah ouais, bah fallait pas m'agresser comme ça, c'est tout, hein, tout simplement. Allez, 400 mètres direction, donc l'avant-poste, bien sûr. On a la zone de mission, bien sûr, aussi, Willis, juste à côté. Comme dit, on s'en fout un peu. On commence à apercevoir la fumée. Un plaisir. Qu'est-ce que c'est d'animal, je ne sais pas. Ça tire à balles réelles en bas. Un plaisir. On va les laisser, hein, c'est pas ma guerre. J'espère que vous kiffez cet épisode, je le kiffe. Cet épisode-là, il est incroyable, en vrai, hein. Parce qu'il s'en passe des choses, hein. Oh merde. Ah ouais. Bah bon courage, hein. Allez, un de moins. Un de moins, c'est déjà pas mal. Allez, je leur laisse le coffre. Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein. Le sentier d'or, entre la faune et la flore et les méchants, y a du combat, hein. Je peux te parler un moment? Ouais. Dis-moi. J'y connais rien, moi, tout ça. Moi, je m'y connais. Je suis devenu un bricoleur, moi, tu sais. Regarde. Tu prends le chamulot. Le chalumeau. Et puis, tu fais ça un peu. Et voilà. Et voilà. Par ici. Par ici. Voilà, donne-moi ton argent. Voilà. Merci. Puis, je te prends ta voiture. Si t'étais pas intervenu, je sais pas comment ça aurait fini. Ah, et ça a été quand même bien pensé, hein. Non seulement tu répares une voiture. Tu récupères, tu leur voles l'argent et puis tu leur voles la voiture. C'est quand même assez amusant, hein. Voilà. Alors j'ai failli balancer la voiture justement là-bas alors qu'il faut être discret. J'ai failli tout foutre en l'air, les amis. Bon, en plus on est déjà sur les hauteurs et ça c'est chouette. Et ça c'est chouette, on est sur les hauteurs. Avant-poste avec deux alarmes, une qui se situe là-bas visiblement. Y a un mastodonte, un vrai plaisir. Je n'ai plus de... Si, il me reste deux roquettes. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Et puis, un animal en cage. Ok, bon. Une alarme là. Une alarme en bas. Y a que deux alarmes. Mais c'est super mal situé pour eux. Là, c'est super simple. Attendez, bah tant mieux, hein, mais... ça me paraît un peu trop simple. Soyons honnêtes. Ça me paraît un peu trop simple. Je pense que ça va pas se passer comme prévu. Et j'ai failli me faire cramer. Par le mastodonte qui plus est. Bon. Messieurs, dames. Parlons peu, parlons bien. Une alarme en face. Et une alarme en contrebas. Alors eux, il faut que je les marque. Voilà. L'alarme en dessous. Voilà. Les alarmes sont désactivées. Je me fais même pas choper. Mort. 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 Dommage. Dommage. Aïe. Alors attends, le masto. Non, là le masto est un peu loin. Faudra que le masto vienne à moi. Voilà, mort. Bah il reste plus que le masto, quoi. Il reste plus que le masto. Alors il est bien mignon le coco. Ah non, il reste lui encore. Voilà. Mort dans d'atroces souffrances.
Bah il est pas si fort que ça le basto en fait. Attendez, on va se le faire au snipe. Eh, ce serait marrant quand même. Je lui ai coupé son rire à ce salopard là. Oh bah let's go mon soleil. Eh le talent ou pas. Le masto je l'ai fini en headshot. Sniper across the map 3-6 trick shot. Bon, peut-être pas exagéré non plus, mais enfin. Incroyable. Eh bah écoutez, on va explorer un petit peu cet avant-poste finalement qu'on vient de débloquer. Incroyable. On va faire le plan munitions. On va également s'occuper du clocher. Et je m'en bats les couilles moi que vous faites attaquer. Là. Parfait, on peut récupérer. On a également une affiche de propagande ici. Très bien. Voilà. On peut rentrer dans la maison, pas du tout. On peut rentrer dans la maison, pas du tout. On peut rentrer dans la maison. Oui, tout à fait. Voilà. On a également œil pour œil. On pourra toujours faire ce genre de petites missions secondaires, ne vous inquiétez pas, c'est un plaisir. On débloque des nouvelles armes, on fait plein de munitions, on vend parce qu'on a beaucoup de choses sur nous. Et puis écoutez, c'est plutôt pas mal. On va directement se rendre donc au clocher, on y verra plus clair. Et on est déjà en bordure de map. Incroyable. Incroyable, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu et j'espère que je vous fais encore d'autant plus voyager en ce moment là. Parce que c'est vrai que j'ai vu vos commentaires, merci hein, que je vous fais voyager, ci et ça. Mes petits commentaires aussi qui vous font rire, bah moi je suis content. Je suis content que... Ah, légitime défense. Moi je suis content que je vous fasse rire. Bah, j'espère que je vous fais encore voyager parce que là on voyage. Je m'en bats les couilles, je suis faille. Je vogue sur une plaquettaya. Je sais pas pourquoi je déraille. Vous avez la ref? Ah, il boit de l'eau. C'est bon l'eau. Allo, allo. Aïe aïe. Aïe aïe. Aïe aïe. Aïe oh, oh. Aïe. Aïe. Salopard. Je voulais faire ça rigolo moi. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Il faut que je détruise c'est ça? Non j'y crois pas. Merde. Oh la balle perdue. Oh non, je lui ai mis une balle perdue. Oh bah alors là eh, donc, j'ai gagné d'XP et tout mais en même temps j'en ai perdu en même temps hein. Donc là le karma il fait yo-yo hein. Voilà, moins 50. Voilà. J'en ai gagné autant que j'en ai perdu je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai trop le seum. Ça va, ça fait une petite rando? La classe. Ce Pagadmin nous cache quelque chose. On dirait nous, tu sais, quand on parle de Macron, de Biden, de Poutine. Ah, on dirait qu'il nous cache quelque chose. Moi je dis c'est pas clair. Le gouvernement, il nous prépare un mauvais coup, moi je vous le dis, moi. Bref, alors. Ah bah c'est safe. Y'a pas de méchant, let's go. Let's go. L'affiche de propagande, ça dégage. Mais calmez-vous. Tout va bien se passer, messieurs, dames. Pourquoi ils sont énervés, là? Ils sont un petit peu fada hein. Oh, quel jeu de merde. Non mais le Wingsuit, c'est un scandale hein. Le Wingsuit, il s'active tout seul, frérot. C'est un truc de ouf. Non, oui, là c'est un cauchemar là. Là ce qui se passe c'est un cauchemar. Mais débrouillez-vous tout seul enfin, arrêtez de crier à l'aide. C'est pas vrai. Vous êtes dégénérés. Ok, c'est bon. Faut se concentrer un peu. Je vais vous aider comme je peux de là-haut hein. Ah. Voilà, mort. L'aigle, il est occupé. Voilà, c'est bon, j'ai sauvé tout le monde. Allez. C'est bon, j'ai fait ma bonne action. On peut me laisser monter tranquille. Tranquille. Yala. Magnifique. Et regardez ma lune. Alors, non. Oh putain. Allô. Voilà. Ok. Et hop là. J'ai vu la lumière. Alléluia.
Alléluia. Et voilà le travail. Et jamais de la vie ça tient ça dans la vraie vie, non? Ah si, en vrai. Ça me paraît logique. Excusez-moi, j'ai remis en cause la physique quantique. Est-ce que la Terre est ronde finalement? Non, je rigole, c'est bon, je rigole. Je rigole. Oh, peu cher. En plus, elle est même pas ronde, elle est ovale. Allez hop. Ça, c'est fait, madame. Ferme-la. Voilà. Et on est à la moitié des clochers, ça y est. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. J'en ai la larme à l'œil. Ashram, shrankri. C'est un mot de passe wifi, bien sûr. Danger évité. Ah là, il l'est pas trop évité, hein. Kalinag, le chasseur. Eh ben, en effet, ça chasse, hein. Ça chasse plutôt pas mal. La classe à Dallas. Ceci étant dit, ceci étant fait. Gratuit au comptoir, un lance-patate. Superbe. Eh ben, je suis absolument ravi. Regardons un petit peu la carte. Avec la musique copyright, bien sûr, qui va encore me faire bugger mon micro. On a lieu inconnu. On a aéroport international du Kilat. Je pourrais absolument décoller de là si je le voulais, mais nous ne le voulons pas. Bref, dans le prochain épisode, les amis, bah, tout simplement, on va s'occuper, on va aller voir Willis parce que je suis assez curieux de savoir c'est qui Willis. Donc on ira voir Willis dans le prochain épisode, les amis. J'espère que vous avez kiffé celui-ci. Si c'est le cas, n'oubliez pas le like, très important. Et bien fait pour leur gueule. Mais bon, il faut quand même que je survive, hein, mon copain. Donc tu m'excuseras. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, le commentaire. Et franchement, si vous partagez la vidéo à vos potes, vous êtes absolument monstrueux, sachez-le. Même si vous êtes dans tous les cas des monstres. Voilà, je vous le dis quand même, mais c'est pas grave. Les amis, c'était Mkolo. Plein de bisous et à demain, 16h. Ciao tout le monde. Bien joué. Bagan doit être foudrage. Il a perdu plus de la moitié de ses auditeurs.